Eh bien, c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les quêtes donc du nouveau livre de quêtes Football qui vient d'arriver, Football Frenzy. Donc, je vais montrer exactement comment réaliser toutes ces quêtes-là et bien évidemment, je vais vous montrer exactement comment les faire facilement. Mais avant, les amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de tutos disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi également en description ma chaîne Twitch, on en live pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre. Les Game Viewers également se passent sur Twitch, on joue énormément de fois ensemble, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, ça se passe en description sur la chaîne Twitch, mais également à vous abonner à cette chaîne. Et maintenant, on est parti pour la première quête. Pour cette quête, on va devoir faire 3 éliminations. Alors ça, c'est la première quête très très simple, donc 3 éliminations, c'est très simple, hein. Vous avez des ennemis, là par exemple, moi j'ai un personnage, mais c'est pas grave, on va dire que c'est un ennemi, et donc voilà, faire juste 3 ennemis, faire 3 kills dans la game, c'est vraiment très très simple, juste voilà, faire 3 éliminations dans différentes parties, ou dans une seule, c'est dans une seule partie, c'est vraiment très important par contre de le faire en une seule partie pour que la quête soit bien réalisée. C'est le seul petit truc à faire, c'est peu importe le nombre de dégâts que vous faites à l'ennemi, du moment que c'est vous qui l'éliminez, que c'est écrit dans la barre de feed et qu'il est comptabilisé comme votre kill à vous, dans une seule partie il faudra uniquement tuer 3 ennemis pour pouvoir terminer cette fameuse quête là. Donc c'est assez simple, mais voilà, faut vraiment les faire en une seule partie. Si vous en faites si vous faites pas les 3 kills, ça ne comptabilisera pas, ça ne terminera pas la quête. Faudra vraiment faire 3 kills en une seule partie pour pouvoir terminer cette première quête là. Pour cette deuxième quête, je vous conseille d'avoir donc le fusil de tireur d'élite cobra ou un sniper, puisque il va falloir toucher un ennemi, uniquement toucher un ennemi à 75 mètres, à au moins 75 mètres. Donc vraiment c'est très important, donc à plus de 75 mètres, ça veut dire à au moins ou plus. Donc là par exemple, il y a toujours le même personnage qui est juste en face de moi là, et donc on va regarder, là on est à combien, il est à 80 mètres et il se rapproche, et donc là regardez, là je le touche et il faut uniquement le toucher une seule fois à 75 mètres ou plus. Et vous voyez que là il se rapproche, donc littéralement là vous n'êtes plus à la bonne distance, donc ça sera à vous de vous éloigner ou à lui de laisser s'éloigner. Mais en tout cas, faudra vraiment que l'ennemi soit à 75 mètres ou plus pour pouvoir que ça fonctionne. Donc là par exemple, là on est vraiment trop proche. À vous par exemple de mettre des constructions pour vous décaler, faites attention de ne pas mourir. Mais en tout cas, il faudra vraiment que vous touchiez un ennemi qui soit à plus de 75 mètres pour pouvoir terminer la quête. Pour cette quête, on va devoir toucher un ennemi avec différentes armes. Alors, il faudra uniquement les toucher, ces ennemis-là, et pas forcément les tuer. Donc, ça va pouvoir vous aider un petit peu à faire la quête plus facilement, puisque vous aurez la possibilité, en fait, sur le même ennemi, de faire la quête au complet. Puisqu'il va falloir toucher l'ennemi avec un fusil à pompe, un fusil d'assaut, mais également une mitraillette. Donc, par exemple, là, moi, j'ai un personnage là qui apparaît ici. Donc, on va s'en servir. Et regardez, donc là, en fait, on va uniquement, regarder, le toucher avec ça, le toucher avec le fusil à pompe, et le toucher également avec donc voilà la mitraillette. Et là j'ai touché l'ennemi avec les 3 armes et donc la quête est maintenant terminée. C'est très important de bien toucher l'ennemi avec les trois armes différentes. Vraiment faudra bien toucher un ennemi avec les 3 armes pour que la quête soit bien réalisée. Donc fusil d'assaut, fusil à pompe et SMG également, et la quête est maintenant réalisée. Faites attention, c'est bien les 3 armes et pas forcément l'une d'entre elles ou quoi que ce soit. C'est vraiment, faut toucher un ennemi avec 3 armes différentes et ces 3 armes là bien spécifiques pour pouvoir terminer la quête. Pour cette quête, les amis, ça va être un peu spécial, puisque là, actuellement, lorsque je tourne le guide, les quêtes ne sont pas arrivées, et surtout, les nouveautés de la mise à jour d'aujourd'hui ne sont pas arrivées, puisque aujourd'hui, en fait, là, vous voyez qu'on a, on a surélevé une zone pour les avions, mais en fait, on va avoir également des mêmes zones comme ça, comme celle-ci, qui sont surélevées, mais qui seront des stades, en fait, des stades de foot surélevés à différents emplacements de la carte. On sait qu'il y en aura un du côté du sanctuaire du héros, ça veut dire que je pense juste devant le sanctuaire du héros sur la plage, il y aura juste devant la tornade un stade également. Donc on sait qu'il y en aura un comme ça. En fait, à quoi ils ressembleront, ce sera uniquement en fait des plateformes grandes comme celle-ci, et ça ressemblera tout simplement à un stade, je vous mettrai une photo. Donc la quête consiste en quoi? La quête consiste uniquement en atterrissant directement sur l'un de ces stades. Comme je dis, il y en aura plusieurs sur différentes parties de la carte, il y en aura je pense aux 3 coins de la map. Après je pense qu'il y en aura un petit peu plus vu que c'est des quêtes. Donc en tout cas, sachez qu'il y en aura un du côté du sanctuaire du héros par ici, je supposerai qu'il y en ait un qui spawn au-dessus de l'eau, et il faudra atterrir dessus et terminer ensuite la partie dans les 10 derniers. Ça veut dire qu'il faudra spawn directement sur le stade donc de foot qui est apparu ici, donc le terrain de football, et ensuite terminer dans les 10 derniers de la partie. Ça veut dire faire top 10 après avoir spawn directement, après avoir atterri en début de partie vraiment sur ce terrain de foot. Pour cette nouvelle quête, lorsque les terrains de football apparaîtront donc dans les zones comme celle-ci, hein, ils ressembleront, les terrains de foot ressembleront à ça. Donc il faut
faudra marquer donc des buts. Alors, il faudra marquer un but dans deux parties différentes. Alors, quand on arrivera ici, on aura donc un terrain de football. Donc, ce ne sera pas ici exactement, ce sera sur les terrains. Mais en tout cas, quand on arrivera sur un terrain de foot, on aura des ballons et il faudra marquer un but dans deux parties différentes. Alors, c'est très simple. Il faudra marquer donc juste uniquement avec les ballons qui sont sur le terrain. Vous prenez un ballon, vous tirez dedans et vous le mettez dans une cage. Mais par contre, faites attention, c'est dans deux parties différentes où il faudra marquer un seul but. Faites attention, mais surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis. Donc, faites attention de ne pas mourir lorsque beaucoup d'ennemis arriveront sur le même terrain de foot. Vous aurez uniquement à marquer un seul but dans deux parties différentes. Pour cette nouvelle quête, lorsqu'on sera sur un terrain de foot, on va devoir marquer un but et ensuite, dans les 10 secondes après avoir marqué le but, on va devoir sprinter, glisser et danser. Donc comment on va faire? C'est très simple, donc on va déjà faire une glissade, donc comme ça, et ensuite, dans les 10 secondes, on va faire une émote directement après. Donc c'est très simple, vous marquez un but, je pense que les terrains de foot apparaîtront dans les emplacements où il y a ces fameuses zones pour s'élever grâce avec les avions qui ne sont pas venus, mais en tout cas, je pense qu'ils vont remplacer ces zones-ci, les terrains de foot. En tout cas, vous prenez un ballon, vous marquez un but, ensuite, vous faites une célébration en sprintant directement, en faisant donc une glissade, en faisant une émote directement après, peu importe l'émote, faudra glisser et faire une émote dans la foulée, dans les 10 secondes après avoir marqué ce but, et automatiquement la quête sera donc réalisée. Pour cette nouvelle quête, on va devoir parcourir une distance en sprintant. Alors, comment ça va se faire? Vous êtes moment, vous avez, là, donc là, on est en course normale, mais on n'est pas en sprint, donc il va falloir appuyer sur le joystick, donc pour nous, pour les manettes, et sinon c'est shift pour les claviers, si je me trompe pas. En tout cas, c'est le sprint, c'est la barre blanche en bas à gauche qui est activée, et il va falloir parcourir 300 mètres grâce à ce sprint là, tout en sprintant. Attention, hein, vraiment, les distances qui sont comptabilisées dans cette quête là sont uniquement les distances parcourues en sprintant. Quand je suis comme ça avec la barre blanche, en fait, se réduit, c'est là où la distance est comptabilisée. Si vous marchez uniquement comme ça, ça ne comptabilisera pas et la quête n'évoluera pas. Et par contre, voilà, là vous avez la barre blanche qui réévolue et on y retourne, on court, on sprint, on sprint, on sprint, on sprint, et là, dès qu'on aura fait les 300 mètres, sachez que la quête se fait toute seule sans que vous en rendez compte. Juste dans vos games, vous allez automatiquement sprinter et la quête se terminera d'elle-même. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera très facilement faisable, facilement et rapidement. Donc voilà, uniquement le sprint, attention, c'est comme ça que c'est comptabilisé, la course ne marche pas. Pour cette dernière quête, on va devoir visiter deux terrains de football. Alors comme je dis, je pense que les terrains de football apparaîtront et remplaceront surtout les zones qui sont comme celle-ci, donc les pistes d'atterrissage ou d'envol. Du moins, les terrains de football les remplaceront directement à leurs emplacements même. Ça veut dire que je pense qu'il y en aura donc à différents emplacements sur la carte, bien évidemment. Donc déjà, du côté de Grizzly Groove, il y en a un juste ici, il y en a également un juste ici, donc du côté du sanctuaire du héros où je vous ai montré juste à côté, mais il y en a également d'autres qui sont disséminés autour de la map. Il y aura beaucoup plus de terrains de foot qu'on ne le pense, et comme je dis, ils seront disséminés à travers la map. Déjà, il faudra visiter uniquement deux terrains de foot. Donc déjà, vous savez qu'il y en a un du côté du sanctuaire du héros, il y en aura un logiquement du côté de Grizzly Groove, après il y en aura d'autres qui apparaîtront bien évidemment, mais en tout cas voilà, faudra visiter deux terrains de football donc en une seule partie pour pouvoir terminer cette fameuse quête là. C'est assez simple, faudra juste en fait se concentrer sur le fait de visiter uniquement les terrains de football de la partie et utiliser bien évidemment les propulseurs comme ça pour vous propulser en l'air et ensuite aller d'un terrain de foot à un autre le plus rapidement possible. Utilisez même les tornades, véhicules, tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez donc faire la quête le plus rapidement possible et visiter les deux terrains de foot sans mourir en une seule partie, bien évidemment. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vous arrivez sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok. C'est pas aller suivre tout ça, n'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, bien évidemment. Vous avez aussi mon code créateur, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir, mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, nouveaux skins, nouveaux battle pass. N'hésitez pas à acheter tout ça en boutique, en tout cas avec le code créateur archi, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup à des personnes qui utilisent ou qui utilisent le code créateur archi pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci beaucoup pour ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.